Tu n'as pas besoin de la satisfaction ou de l'approbation de l'autre pour dire que tu as bien agi ou mal agi. Ce n'est pas la réaction de l'autre qui détermine si tu as fait une bonne chose ou pas, si ta réaction a été juste ou pas. Ce n'est pas ça qui détermine. Ça veut dire que le fait de parler à ta boss et d'exposer les choses, ça a été juste pour toi parce que tu sais que c'est juste. Tu n'as pas besoin de sa réaction pour valider. Tu n'as pas besoin qu'elle réagisse d'une certaine façon pour valider si oui ou non ce que tu as dit était correct ou ça fait de toi une belle personne. Tu sais que tu es une belle personne, tu sais que tu agis en toute bienveillance parce que c'est ce que tu reconnais en toi. Mais ce n'est pas la réaction de l'autre qui va déterminer si oui ou non c'était bien ou pas. Il y a besoin que tu te valides en fait. Et à un moment donné, c'est important de se dire, là, je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. C'est juste prendre des moments de dire je suis fière d'avoir fait les choses par amour pour moi. Je suis fière d'avoir posé le travail et de faire valoir ce qui m'intéresse. Parce que la notion du plaisir, de la satisfaction et de la joie, elle est dans ce petit instant, ce fragment d'instant de conscience pleine, de s'arrêter, de se dire, ah là, je suis contente d'avoir fait ce qui m'a plu. Fais pas ça. Oui, mais c'est pour ça qu'on en parle. Parce que c'est ça qui va faire aussi éveiller en toi la notion de joie, de satisfaction, d'être fière de toi sans que ça passe par le regard de l'autre. Ce n'est pas la reconnaissance de l'autre qui. C'est comme si toi, c'est le cas que si ta directrice, elle te dit, oh, t'en es super fière de toi. Non, en fait, tu lui donnes le pouvoir de ça. L'idée ici, c'est que tu n'as pas besoin de la validation de ta directrice. Pour te dire si tu as fait un bon job ou pas, si tu es, t'es bien positionné ou pas, tu as le droit de te positionner avec fierté dans la manière dont tu as exposé les choses avec elle parce que c'est ça que tu ressentais. Sinon, en fait, tu es insatiablement dans cette quête insatiable de reconnaissance. L'idée ici, c'est que tu réintègres au-delà de cette notion, mais ce ressenti de je suis fière de moi. Je suis contente de moi, j'ai de la satisfaction dans ce que je pose pour moi.